Europe. Europe 1. Bonjour Michael Hirsch. Bonjour Patrick. Alors, bonjour pour cette dernière lettre ou ne pas lettre de la saison, cette vacances d'été que vous avez décidé de vous adresser. Absolument Patrick. Bien sûr, j'aurais pu faire de cette dernière lettre une missive téléguidée, une sorte d'hommage collatéral à Jean-Pierre Jeunet et à Amélie Nothomb, que j'admire énormément. J'aurais pu célébrer la tendresse du merveilleux destin d'Amélie pour l'un, ou bien écrire une homélie pour l'autre. Ah. Mais l'appel des congés a été plus fort que tout. Alors, chères vacances d'été, soyez les bienvenus. Car cette année, je vous ai follement attendu. À moi le repos mer-été, à moi les glandes vacances. Mmh. Le temps de retrouver un peu de vie intérieure, car en cette saison, on peut s'accorder du beau temps, on peut être et avoir l'été. Alors, que vais-je faire de ces vacances? Patoche, Juju, bah oui, je suis déjà en vacances. Je ne le sais pas encore. Peut-être vais-je pratiquer le transat en solitaire afin de tourner la plage sur cette année intense, plonger dans le dernier roman d'un marchand de fables. Peut-être me ressourcerai-je au doux son des vagues, car c'est au bord de la mer où l'on médite et renaît. Mais si. En tout cas, comme dans la chanson, eh bien, je compte bien m'endormir au soleil, le laisser colorier ma peau avec ses rayons de couleur et finir l'été avec la médaille de bronze. Ou peut-être encore, j'irai à la campagne me mettre au vert et le lever à votre santé en remplaçant les journées classées rouges par des soirées arrosées. J'imagine déjà le programme, faire des barbecues, manger des fruits dans un cadre champêtre, chipot, melon et bottes de paille. Et puis l'été, eh bien, c'est aussi la saison des amours à l'ombre des jeunes filles en flirt. Cette saison où l'on court plusieurs lèvres à la fois, où l'on s'embrasse en nage, tout en crôlant sous les baisers jusqu'à en avoir le papillon dans le ventre. Oui, parfois, même les amourettes de juillet deviennent les mois d'août. Et qu'importe que en vacances, tu sois de ceux qui picorent ou de ceux qui savourent, rappelle-toi simplement une chose, pour un bon pique-nique, sors tes couverts en plastique. Voilà, voilà, dans 15 secondes, je serai en vacances, mais je serai, oui, je serai, Julie. Ah, mais oui, j'y suis déjà. Mais oui, j'y suis déjà en vacances. Alors avant de partir, justement, chère Julie, cher Patrick, permettez-moi de vous remercier du fond du cœur pour toute votre bienveillance. Je vous souhaite à tous deux de merveilleuses vacances et surtout, pensez bien à vous couvrir la tête et à vous hydrater parce qu'à votre âge, c'est important. Oh. Ça va, oui. Et puis, à vous, chers auditeurs, chères auditrices, souvenez-vous que tout vient à point pour qui sait être tendre. Je vous souhaite deux mois doux et j'espère vous retrouver fidèle au poste de radio à la rentrée, car cette saison sur cette antenne, eh bien moi, j'étais heureux. Point. Heureux. Point. Tendrement. Michael. Michael Hirsch, merci beaucoup pour cette dernière lettre ou ne pas lettre. Europe. Europe 1.